Quelle atmosphère! Quelle présence du Saint-Esprit! Quel événement spécial! Nous n'oublierons jamais ce soir, comme Dieu ne peut pas oublier Jérusalem. Nous apprécions tellement nos invités. Chris Mitchell, quel bel esprit! Yair, quel merveilleux chant du cœur. Quelle bénédiction. Que Dieu continue de te bénir et ta famille. Rabbi Yehuda Glick. La main. Huda Glick. Quelle personnalité. Le mouvement sioniste global. La maison de prière pour toutes les nations. Nous apprécions ton défi pour le monde. Gideon Ariel. Gabriel connaît 70 langages. Mais je connais Gabriel. Alléluia. Et ce soir, j'apporte le message de Gabriel. 70 semaines. En 70 langages. J'ai tellement été inspiré par vos paroles. Et Dieu vraiment t'a mandaté. Et j'espère pouvoir t'aider un peu. Guy, quelle belle personnalité. Montrant l'amour partout. Nous souhaitons avoir cet encens pour le temple. Qu'il descende du ciel. Ou que le Messie le construise. Ou que la maison d'Israël le construise. Il faudra cet encens. Est-ce que Ronit est là? Oh, got to get the bus. Thank you very much. And I guess Itai, who was with her, has also gone to get the bus. Oh, he's still here. Thank you, Itai, from GNS Travel. Merci, Itai. GNS Travel has done for us. De l'agence. It's a very lovely, humble heart. Un cœur humble. So while you're standing, let's take the Bible. Alors que vous êtes debout, prenons la Bible. And take a little exhortation. Une petite exhortation. Something that is on our heart. Quelque chose qui est sur notre cœur. Maybe why we came. C'est peut-être pour ça que nous sommes venus. Amen. To build a bridge. Pour construire le pont. Genesis 43. Genèse 43. I won't be preaching on this. Je ne vais pas prêcher là-dessus. And I was going to bypass it. Et j'allais le contourner. But then I just felt that the Holy Spirit would like it read. Mais je sens que le Saint-Esprit veut qu'on le lise. To foundation the message. Comme fondation. And I'm going to try and cut it down. Et je vais essayer d'abréger. Le bus va quitter dans 45 minutes. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. Et puis le livre de Daniel, chapitre 9, Genèse 43, verset 26. Ce sont les frères de Joseph qui viennent vers lui. Au temps de la famine. And when Joseph came home, they brought him the present which was in their hand into the house and bowed themselves to him to the earth. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté et ils se prosternèrent en terre devant lui. And there was Joseph's dream fulfilled. Et le songe de Joseph s'était accompli. And he asked them of their welfare and said, "Is your father alive? The old man of whom you spake, is he yet alive?" Il leur demanda comment il se portait. Il dit, « Votre vieux père dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore ?» Ils répondirent, « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il vit encore. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Et il lifted up his eyes, and he saw his brother Benjamin, his mother's son, and said, « Is this your younger brother of whom you spake unto me?" Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé ?» And he said, « God be gracious unto thee, my son. » And Joseph made haste,
for his bowels did yearn upon his brother, and he saw where to weep, and he entered into his chamber and wept there. Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère, et il avait vraiment envie de pleurer, et il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. And he washed his face and went out and refrained himself and said, set on bread. Et après s'être lavé le visage, il en sortit, et faisant des efforts pour se contenir, il dit, servez à manger. And now we move to the book of Daniel, chapter 9. Puis nous passons au livre de Daniel, le chapitre 9. And here we find that Daniel understands by the books the number of years that are left in captivity. Et nous voyons aussi que d'après les livres, Daniel découvre le nombre d'années qui restaient en captivité. 70 years. 70 années. Jeremiah prophesied. Jérémie avait prophétisé. And they've been in captivity for 68 years. Et ils avaient été en captivité depuis 68 ans. So he begins to pray. Donc il commence à prier. And the man Gabriel appears to him. Et l'homme Gabriel lui apparaît. And he not only confirms the 2 years. Et non seulement il confirme les 2 années. But he answers so much more. Mais il répond bien davantage. Verse 24. Au verset 24. An incredible prophecy begins. Et une incroyable prophétie commence. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again and the wall even in troublous times. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à celui où un chef sera oint, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Precious Lord, we've read your sacred word. Précieux Seigneur, nous avons lu ta parole sacrée, this great prophecy. Cette grande prophétie. And we ask you now, dear God, te demandons maintenant, Seigneur, to quicken your word as we speak it, de vivifier ta parole alors que nous la parlons, and to make it real. De la rendre réelle. In Jesus' name we pray. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. The Lord bless you. You're still there. Seigneur bénisse, vous êtes toujours là. One last push for a few minutes. Une dernière poussée. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Appreciate that beautiful special at the end. Nous apprécions le beau chant spécial à la fin. I also wanted to congratulate. Mais je voulais aussi féliciter. Frère Bogdan Cicciuna. Will you raise a hand? There he is. Oh, he's sitting next to. Il est assis, hein? Esther, à côté de ce Esther, la Sotova. Upon their engagement. Leur fiançailles, lundi, sur le Mont des Oliviers. Félicitations à tous les deux. Nous sommes heureux pour vous. Wonderful. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. My title, mon titre. The Third Temple. And the 70th week of Daniel. Le troisième temple et la 70e semaine de Daniel. Le troisième temple and the 70th week of Daniel. Et la 70e semaine de Daniel. And I have a subject, et j'ai un sujet. The two olive trees. Les deux oliviers. What about an inspiration? Comme inspiration. Speak ye comfortably to Jerusalem. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que ces guerres sont terminées. Quelle écriture! Quelle heure! Pour dire cela en saison, nous sommes bénis. Daniel était probablement un adolescent lorsqu'ils ont été emmenés captifs à Babylone. Aucun temple, pas d'église, aucune synagogue, mais il est resté fidèle pendant 68 ans, en train d'adorer, de garder les commandements, sacrifiant dans le secret et vivant par la loi de Moïse.
Le roi Nebuchadnezzar, un gentil, had come down to take them away from their homeland. Était venu les prendre de leur patrie. Nebuchadnezzar said, et Nebuchadnezzar a dit, God sent me. C'est Dieu qui m'a envoyé. And God's word confirms it. Et la parole de Dieu le confirme. Nebuchadnezzar, my servant. Nebuchadnezzar mon serviteur, he was a gentile. C'était un gentil. But God could use a gentile. Mais Dieu peut utiliser un gentil, quelqu'un des nations, pour accomplir ses besoins. That was to take them away from their homeland. C'était de les prendre loin de leur patrie. But today, mais aujourd'hui, they're coming back to their homeland. Ils reviennent dans leur patrie, back to Zion. De retour en Sion. Amen. And we are praying. Et nous prions. We love Jerusalem. Nous aimons Jérusalem. We love Israel. Nous aimons Israël. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. And Daniel was studying the books. Et Daniel étudiait les livres. And he must have been past the age of 80. Et il avait probablement passé l'âge de 80 ans. And he found something. Et il a trouvé quelque chose dans les rouleaux sacrés. Il est bon d'être dans la parole. Il y a de grands trésors cachés dans la parole qui attendent d'être trouvés. Des secrets qui attendent d'être découverts. Peut-être que je vais partager un ou deux avec vous ce soir de la parole. Alléluia. Gabriel n'est pas mort. Gabriel peut encore venir de la présence du trône. Il est venu vers Daniel. Daniel a vu un homme. Mais c'était Gabriel révélant les 70 semaines à Daniel pour son peuple et pour nous et pour Israël aujourd'hui. Il est bon d'être dans la parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je vais passer mes notes pour garder le temps. Mais en étudiant la parole, il était choqué de voir que Jérémie avait prophétisé qu'il serait que pendant 70 ans en captivité. Et ça faisait 68 ans. Et Nebuchadnezzar, alors qu'ils étaient en captivité, il a eu un songe. Un songe d'une image. He saw a great image. Il a vu une grande image, a head of gold, une tête d'or, the body of silver, un corps d'argent, the loins of brass, les reins des reins, the legs of iron, et les jambes de fer, and the toes of iron and clay. Et les orteils de fer et d'argile. And God was showing Nebuchadnezzar, et Dieu montrait à Nebuchadnezzar the Gentile kingdoms, que les royaumes des gentils, right down to today, jusqu'à aujourd'hui, the iron and the toes. Là, dans les orteils, le fer et l'argile. Nebuchadnezzar was the head of gold. Et Nebuchadnezzar, la tête d'or. Amen. Then the Medo-Persian Empire. Et puis l'empire des Médo-Perses. And then the Greeks. Et puis les Grecs. And finally the Roman Empire. Et finalement l'Empire romain. The legs of iron. Les jambes de fer. And when pagan Rome turned into papal Rome, et lorsque la Rome païenne est devenue la Rome papale, the iron would run into the toes. Alors à ce moment-là, le fer est arrivé dans les orteils. Every nation. Toutes les nations autour du monde, là, sous l'influence de Rome. C'est aujourd'hui. C'était des royaumes des gentils. Mais à ce moment-là, il y a eu un grand rocher, un grand roc qui a été taillé de la montagne sans l'aide des mains. Et il a frappé les royaumes des nations aux pieds. C'est aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était? La fin des royaumes des nations. Terminé. Le temps est accompli. Et ce roc a grandi dans une grande montagne qui couvrait le monde. Qu'est-ce que c'était? L'âge messianique. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Parce que de cette cité, Jérusalem, le fils de David va s'asseoir sur son trône pour gouverner le monde avec une verge de fer. Et toutes les nations viendront à Jérusalem et il y aura la paix sur la terre. Le prophète Zacharie a aussi vu la venue de cette pierre.
He saw a vision. Il a vu une vision. A golden candlestick. Un chandelier d'or. With an olive tree on this side. Avec un olivier de ce côté. An olive tree on that side. Et un olivier de l'autre côté. And he asked the angel what it meant. Il a demandé à l'ange ce que ça signifiait. He said, "This is the word of the Lord unto Zerubbabel." Il a dit, c'est la parole du Seigneur à Zerubbabel. Not by might, ni par force, not by power, ni puissance, but by my spirit. Mais par mon esprit. Who art thou? Qui es-tu, ô grande montagne, before Zerubbabel, devant Zerubbabel, thou shalt become a plain, tu seras aplani. And he shall bring forth the headstone, et il amènera la pierre de fête with shoutings, crying, grace, grace unto it. Avec des cris, criant grâce, grâce. Here's the same stone. C'est la même pierre. Amen. Coming to bring in venant pour amener un royaume. Mais je veux que vous remarquiez, en même temps, deux oliviers. Alléluia. Et Zacharie dit à l'ange, que sont ces oliviers? Et l'ange a dit, tu ne sais pas? Il a dit, non, Seigneur. Ce sont les deux oints qui se tiennent près de l'Éternel, de toute la terre. Donc au moment où cette pierre vient et termine les royaumes des nations, attendez-vous à voir deux oints. À ce moment-là, deux oliviers, deux oints qui se tiennent près du Seigneur de toute la terre. Et ils vont faire entrer l'ère messianique. Mais la question, quand est-ce que ce sera? Vous pouvez vous asseoir. Comment pouvons-nous? Y a-t-il des signes? Nous voyons les royaumes des nations, l'Empire romain, et maintenant la Rome papale. Nous savons, là, nous sommes à la fin. Mais Daniel a trouvé quelque chose d'étonnant. Lorsque Gabriel lui avait parlé, il lui a donné la prophétie la plus incroyable concernant la ligne de temps d'Israël jusqu'à la fin. Vous pouvez trouver ça dans Jérémie 25 au sujet de ces 70 années. Je vais passer cela. Mais lorsqu'il réalise qu'il reste deux années, alors il commence à prier. À jeûner. Il se repent pour ses péchés et les péchés d'Israël qui font qu'ils ont été emmenés captifs, comme Gédon disait. Et Gabriel, il lui parle et il lui donne une prophétie incroyable. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur la sainte cité. Sur les Juifs et la Sainte Cité, qui n'est pas New York, ni Londres, ni Paris, Jérusalem. Qu'est-ce qui la rend sainte? Le Temple. Donc ces 70 semaines, saisissez ça, ne s'appliquent que lorsque le peuple de Daniel est dans sa patrie avec le Temple. C'est important de le comprendre, ces semaines. Il y a des gens qui disent que ce temple, ce sera dans la cité de David. Mais dans la Bible, David a fait sortir l'arche de la cité de David et il a monté au tabernacle. Donc ce n'était pas la cité de David. Il y a des gens qui disent que le temple devrait se trouver dans le désert de Judée. Mais peut-être qu'ils ne réalisent pas qu'il y a un roc. Un roc, là, sur le mont Moriah, où Abraham a sacrifié un bélier. Un roc que David a acquis. Et Dieu lui a dit, par prophète, construis ton autel là-bas. Il a mis le tabernacle là. Et puis-je dire, sur ce roc, le fils de David aura un trône pour le millénium, dans le temple, dans le Saint des Saints.
Yes, sir. May be seated. Les asseoir. So 70 weeks. 70 semaines. Upon thy people. Pour ton peuple. And upon the holy city. Et la sainte cité. And then Gabriel divides it into three sections. Et Gabriel donne alors trois sections. 7 weeks. 7 semaines. For Jerusalem to be rebuilt. Pour que Jérusalem soit reconstruite. Then 62 weeks. Et puis 62 semaines. Making 69. Ce qui fait 69. And then finally. Et finalement. One more week. Encore une semaine. The 70th week. La 70e. Now that's the week. Et c'est la semaine. That is so special. Qui est tellement spéciale. That we are now approaching. Et nous nous approchons de là maintenant. 70 weeks. 70 semaines. From the time the commandment goes forth. Depuis le temps où le commandement est sorti. And it went forth on the 14th day of Nissan. Et il est sorti le 14e jour de Nissan. Which is March. C'est quel mois de mars? In the year 445. Dans l'année 445. To rebuild Jerusalem and the temple. Pour reconstruire Jérusalem et le temple. And it took exactly 49 years. Et il a fallu exactement 49 ans. To rebuild the temple. Pour reconstruire le temple. And the streets. Et les rues. And the walls. Et les murailles. And if that's 7 weeks. Et 7 semaines. And that took 49 years. 49 années. How long is 1 week? Combien de temps ça fait une semaine? If 7 weeks. Si 7 semaines. 49 years. Font 49 ans. How long is 1 week? Une semaine ça fait. 7 years. 7 ans. Who was that? Qui a dit ça? Oh, get on. Very good. So, now we've got the key. Maintenant nous avons la clé. One of Daniel's weeks. L'une des semaines de Daniel. Is 7 years. 7 années. Now we're onto something. Maintenant nous arrivons quelque part. Now we find out that there's another 62 weeks. Et nous voyons qu'il y a encore 62 semaines. After the 7. Après les 7. So that's 69 weeks. Ce qui fait 69 semaines. And 69 times 7. Et 69 fois 7. Is 483. Ce qui fait 483. 483 years. 483. From the time of the commandment. Depuis le temps du commandement. And during that time. Et pendant ce temps-là. Daniel's people. Le peuple de Daniel. Were in Jerusalem. Était à Jérusalem. With the temple. Avec le temple. After that time. Après ce temps-là. The temple was destroyed. Le temple a été détruit. This time by the Romans. Par les Romains. And Daniel's people are scattered. Et le peuple de Daniel est dispersé around the world. Autour du monde. Now there's no temple. Maintenant, il n'y a pas de temple. No Jerusalem. Plus de Jérusalem. No Daniel's people. Plus de peuple de Daniel. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? The clock has stopped. Que l'horloge s'est arrêtée. The 70 weeks are paused. Une pause dans les 70 semaines. Weeks. Là, après 69 semaines. Hold it there. Retenez bien ça. Amen. That 70th week will come. La 70 semaines va venir. But in between, mais entre les deux, the 69th and the 70th week, entre la 69e et la 70e, maybe God blessed us a little bit. Peut-être que Dieu nous a bénis un peu. Nous, les nations. Shone a bit of grace. Un peu de grâce. He encouraged us. Il nous a encouragés. Forgave us. Il nous a pardonnés. Amen. For a space of time. Pendant un espace de temps. But all the time, mais pendant ce temps-là, God knew, Dieu savait one day, qu'un jour, il allait terminer avec nous les nations et retourner vers sa race choisie lorsqu'ils sont de retour dans leur patrie. Et tout ce qu'il nous faut, c'est le temple. Alléluia. Et lorsque le temple sera là, la 70e semaine va commencer. Gloire à Dieu. Alléluia. Allons, maison d'Israël. Allons, mes amis. Construisez ce temple. N'attendez pas. Il ne va pas descendre comme ça. Oubliez ça. Je parlais avec des gens en disant ça va descendre. Et d'autres, non, le Messie va la construire. J'ai dit, vous allez l'observer. Vous allez vous asseoir là et l'observer en train de construire. J'aurais honte. Non, chapitre après chapitre. D'instructions. Mesures. Précises. Complètes. Remplies. Avec des instructions. Lorsque l'attitude sera correcte, donnez ceci à la maison d'Israël afin qu'ils le fassent. C'est dans ma Bible. L'instruction est là. J'ai trouvé où c'est écrit. Allons, Gabriel. Parle-moi. J'ai trouvé où c'est écrit. Le temps est venu.
Voilà pourquoi nous sommes ici, pour vous encourager. Le temps est venu. Alléluia. Glory. Alléluia. Vous voyez combien nous vous aimons. Nous avons un fardeau. Nous crions de joie. Peu importe. Nous sommes finis. Nous nous réjouissons de voir le Messie venir à Sion. Ça nous fait crier de joie. Louez le Seigneur. Le Messie est à Jérusalem. Pouvez-vous imaginer Salomon qui consacre le temple et la gloire qui remplit la maison. Je me demande si ce n'était pas quelque chose comme ceci. C'est mon Dieu. Nous l'adorons. Alors, continuons. Encore quelques minutes. Maintenant, Gabriel a dit à Daniel qu'il y avait 70 semaines pour accomplir quelque chose. Six choses. J'ai lu cela. Pour finir les transgressions, la fin du péché, tout ça doit être fait dans la 70e semaine. Mais aucune n'a été faite. Ça devait être fait la 70e semaine. Mais aucune n'a été accomplie pendant les 69 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les six buts doivent être accomplis pendant la 70e semaine. Pour terminer les transgressions. La fin du péché. Pour expier l'iniquité. Pour amener une justice éternelle. Oh, ça, c'est l'ère du Messie. Pour sceller la vision et la prophétie. Et oindre le lieu très saint. Le saint des saints. Dans le temple. Ce qui ne peut pas se faire s'il n'y a pas de temple. Il faut un temple. Il y aura un temple. Il y aura un temple qui sera oint avant la fin de la 70e semaine. Prêt pour le grand millénium. Alors le Messie pourra venir. Alléluia. Et ça va mener un temps d'une grande paix. Alors que le Messie va régner depuis Jérusalem. Depuis son temple à Jérusalem. Le temple de Salomon, il y avait là une arche dans le Saint des Saints. Mais ce temple ne peut pas avoir d'arche. Jérémie 3. Et il arrivera lorsque vous allez croître dans le pays. Dirions-nous en 2023, en ces jours-là, dit l'Éternel, ils ne diront plus l'arche de l'alliance du Seigneur, et ça ne viendrait même pas à la pensée. Je pense qu'ils pensent qu'ils savent où ça se trouve. Et ils vont peut-être le trouver quand le temps viendra. Mais ma Bible dit, quand ils seront multipliés dans le pays, ils ne parleront plus de l'arche de l'Alliance. Ça ne viendrait même pas à la pensée. Ils ne s'en souviendront même plus. Et ils ne la visiteront plus. Et ça ne s'accomplira plus. L'Alliance est terminée. À ce moment-là, ils appelleront Jérusalem le trône de l'Éternel. Pas une arche, un trône. Fils de l'homme, le lieu de mon trône et de la plante de mes pieds,
dans le lieu très saint. Oh, that's what we need for the great messianic age. Voilà ce qu'il nous faut pour l'âge messianique. Un trône dans le temple. Alors, quel temple? Viens s'asseoir. On avance bien. Alléluia. Donc, les six buts. Le sixième, c'était de oindre le lieu très saint. Et c'est ce qu'a dit Gabriel. Tout comme Moïse a oint le tabernacle dans le désert avant qu'il soit utilisé. Mais ceci, c'est le temple pour l'âge messianique. Ézéchiel a vu ça se passer. Le lieu très saint étant oint dans Ézéchiel 43. Voilà ce qu'il a vu. Et la gloire de l'Éternel est entrée dans la maison. C'est le temple. Du côté de l'Orient. Donc, l'Esprit m'a emporté et m'a amené dans le parvis intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Et je l'entendis me parler, là, depuis la maison. Et cet homme se tenait près de moi. Et il a dit, Fils de l'homme, le lieu de mon trône venant du Saint des Saints, là où se trouvait l'arche, le lieu de mon trône et le lieu de la plante de mes pieds où je demeurerai parmi les enfants d'Israël pour toujours et mon saint nom, la maison d'Israël ne le souillera plus et non plus ni leur roi. Et regardez ensuite ce qui vient. Parce que ceci concerne le temple. Ça va nous aider à comprendre. Ni leur roi, par tout ce qu'ils font, ni par les carcasses de leur roi, dans leur haut lieu, là, lorsqu'ils placent leur seuil près de mon seuil, tous ces tombeaux, là, près du temple. Il n'aime pas ça. Et vous voulez vivre dans un cimetière? Et il sait quel genre de vie ont ces rois. Et leur poteau près de mon poteau. Et un mur entre eux et moi. Ils ont souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. Voilà pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, qu'ils se débarrassent de leur prostitution et des carcasses de leur roi, loin de moi, et je demeurerai au milieu d'eux pour toujours. Il va venir dans son temple, mais toutes ces tombes, ça doit sortir du chemin. Fils de l'homme, montre à la maison, le temple, toutes les mesures, à la maison d'Israël, afin qu'ils aient honte de leurs iniquités et qu'ils mesurent le modèle. Est-ce que ça va descendre du ciel? Ou bien est-ce qu'ils vont le construire? Et s'ils ont honte, là, à leur vue, afin qu'ils en conservent la forme. Et ceci, c'est le temple d'Ézéchiel. Et qu'ils l'accomplissent. Et ceci, c'est la loi de la maison. Au sommet de la montagne, toutes les limites aux alentours seront très saintes. Il va s'assurer qu'autour de son temple, il y a là une région qui est sainte. Voici, c'est la loi de la maison. Donc je dis ceci parce que je veux montrer que la maison d'Israël, le temple, qui sont ces gentils, ceux des nations? Eh bien,
Dieu peut parler par quelqu'un des nations. Amen. The question is, la question, is it in my tabach? Est-ce que c'est dans ma Bible? Is it in the word? Est-ce que c'est dans la parole? Amen. Now for years, the dome of the rock, pendant des années, le dôme du rocher has been where it ought not to be. Il s'est trouvé là où il ne devrait pas être. But it's gonna be moved. Mais il va être déplacé. Now, wouldn't it be a shame? Mais est-ce que ce ne serait pas maintenant honteux when it's moved, quand il sera déplacé to build a temple there, de construire le temple là that cannot be used for the messianic age. Et qui ne pourra pas être utilisé pour l'ère messianique. There's no throne. Il n'y a pas de trône. First temple, premier temple, second temple. Deuxième temple. It must be the third temple. Ça doit être le troisième temple. It must be Ezekiel's temple. Ça doit être le temple d'Ézéchiel. And people say it's hard to understand. Et les gens disent, mais c'est difficile à comprendre. Je parlais à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Mais j'ai dit, mais les instructions sont si claires. Il n'y a rien qui n'a été aussi clair que les instructions d'Ézéchiel pour le temple. Mais je vois un problème. C'est très grand. Beaucoup plus grand que le mont du temple. Et je vois aussi des rabbins dans le passé qui ont éloigné les gens de cette idée-là. Mais moi, je comprends seulement ma Bible. Voilà tout. Qui dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que seule ma Bible dise la vérité au-delà des mensonges. Levez-vous et mesurez et construisez le temple. Regardons, vous vous asseoir. Il y a une muraille à l'extérieur, 500 cannes, sur 500 cannes. And some theologians try to change it. Et il y a des théologiens qui ont essayé de changer ça, they say the scribe meant to write cubits. En disant que les scribes, ils voulaient dire des coudées. But my tabach says reeds. Mais ma Bible dit que ce sont des cannes. Leave my tabach alone. Laissez ma Bible comme elle l'est. Now, Brother David Ciccone is an architect. Maintenant, frère David Ciccone, c'est un architecte. Et il y a 5 ans, il a dessiné quelques diagrammes pour nous aider. Et si je peux inviter les techniciens, je veux vous montrer ce qu'il a dessiné il y a 5 ans. Pouvez-vous voir sur les écrans? Ce qui est en rouge, c'est le mont du temple. Et ici, c'est le parvis intérieur du temple d'Ézéchiel. Mais cette muraille de 500 cannes, c'est beaucoup plus large. Voyons la deuxième photo. Si on peut zoomer un peu. Donc là, c'est le mont du temple. Et en dessous, on voit la muraille de 500 cannes. Et tout ce qui est entre là, ça doit être saint. Mais on a la vallée des eaux et toutes les tombes. Et l'ancienne cité de Jérusalem, qui est là tout autour. Et ça, c'est le temple d'Ézéchiel. Ça semble impossible, n'est-ce pas? Super. Il y a quelques jours, frère David est tombé sur une écriture dans Jérémie 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel, depuis la tour de Hananel jusqu'à la porte de l'angle. Et le cordeau s'étendra encore vis-à-vis, là, jusqu'à la colline de Gareb, et il fera un circuit du côté de Goath. Et toute la vallée des eaux, des morts,
et les cendres and the fields unto the brook Kidron, et tous les champs jusqu'au torrent du Cédron unto the corner of the horse gate toward the east, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient shall be holy unto the Lord. Seront saints à l'Éternel. It shall not be plucked up nor thrown down anymore forever. Et ne seront plus jamais ni renversés ni détruits. And to our amazement, et à notre étonnement, these landmarks, ces bornes-là, all fitted into that outer blue line. Ça s'ajuste exactement avec les lignes and bleues. Ask Brother David to come up. We can go to the third picture. Very good. And Brother David has put these points in for you. Et Frère David a placé ces points-là pour nous. And I just asked him to share with you for 2 minutes. Et je vais lui demander de partager ça avec nous pendant 2 minutes. Because he's the architect. Parce que c'est lui l'architecte. En décembre, Frère Bleu allait parler de la Nouvelle Alliance. Et on trouve ça dans Jérémie 31. So I thought, let me read about it. Et j'ai dit, eh bien, lisons ça. As he goes through the new covenant, alors qu'il parle de la Nouvelle Alliance, I noticed, et j'ai remarqué, at that time, à ce moment-là, the measuring line, la ligne de mesure will be stretched straight over the hill from the corner gate. Va s'étendre directement sur la colline de Gareth, là, et puis tourner and go to Goath, toward Goath. Dans la direction de Goath. And we'll include this measuring line. So now the, et ce cordeau. This, the beginning of Jeremiah 31 gives a perfect picture of the Messianic age. Et le commencement de Jérémie 31 donne une image God parfaite has brought Israel back into the land. De l'âge messianique. And it's a great time of blessing. Et c'est un grand temps de bénédiction pour les enfants d'Israël où il dit là je mettrai votre nouvelle alliance. Et alors il dit alors dans l'âge messianique j'ai dessiné ça il y a 5 ans. Je sais où ça allait se passer. Donc il y a 2500 ans il utilise des bornes pour décrire où la ligne de mesure va passer dans Jérusalem. Et c'est tellement précis. On pourrait et la muraille n'est pas encore construite et on ne pourrait même pas le faire aujourd'hui. Et il dit, de la tour d'en aller jusqu'à l'angle, la cité me sera construite, la cité du Seigneur, là, de l'angle, là, sur la colline. Il y en a qui pensent que ça se trouve à tel endroit et puis d'autres à un autre. Mais j'ai trouvé des anciennes cartes qui montrent que la colline de Gareb se trouve là à gauche. Et ça va prendre toute la vallée des cadavres, tous les champs là jusqu'au Cédron, et de la porte des chevaux vers l'est, tout sera saint. Et cela m'a ramené à Ézéchiel 42, où il explique la muraille extérieure. La raison pour cela, c'est de garder toute la région autour du temple sainte. Donc Jérémie, il place la construction de la muraille extérieure dans l'âge messianique. Mais nous avons besoin du temple, là, une partie du temple, construite pour que le Messie vienne. Inspiré. Donc la clé, c'est que toute cette région sera sainte. Et j'ai vu que Sœur Subita au Koweït, elle a envoyé cette écriture il y a peu de temps dans Zacharie 1. Ainsi dit l'Éternel,
Je suis revenu à Jérusalem avec miséricorde et compassion. My house shall be built in it, ma maison y sera construite, dit l'Éternel. And a measuring line shall be stretched out over Jerusalem. Et la ligne de mesure s'étendra au-dessus de Jérusalem. So we're trying to show how nous essayons de montrer comment le temple d'Ézéchiel peut être construit en deux étapes. Il y a une partie qui peut être construite et puis vous mesurez le reste et attendez environ 42 mois. Ainsi maintenant, dans Ézéchiel 42, lorsqu'il eut terminé de mesurer le parvis intérieur, il m'a fait sortir par la porte qui donne vers l'Orient. Et c'est là où il mesure 500 cannes sur 500, ce qui fait environ un mile carré, pour faire une séparation entre le sanctuaire et ce qui est profane. Donc, cela a été marqué. Mais maintenant, remarquez, le parvis intérieur peut s'ajuster sur le mont du temple. Donc, on veut simplement montrer encore un diagramme qui a été réalisé il y a 5 ans, où il a placé le reste du temple d'Ézéchiel en oubliant la muraille extérieure, là, sur le mont du temple. Si vous voulez voir, la ligne rouge, c'est le mont du temple actuel. Et la ligne bleue, c'est le temple d'Ézéchiel. 500 coudées sur 500 coudées. Et le temple s'ajuste là sur le mont du temple. Cela peut se faire. Jusque-là, j'ai utilisé uniquement des écritures qui viennent de l'Ancien Testament, la Bible. Tabakh. Ce que les nations appellent l'Ancien Testament. Mais je vais prendre une écriture du livre de l'Apocalypse, ce qui est notre version du livre de Daniel. Et là, Dieu nous a laissé quelque chose que nous pouvons vous dire. Et puis nous pourrons repartir chez nous en paix. Apocalypse 11, versets 1 et 2. And there was given me a reed like a rod. On me donna un roseau semblable à une canne. And the angel stood saying, et l'ange se présenta et dit, rise and measure the temple of God. Lève-toi et mesure le temple de Dieu, and the altar, l'autel, and them that worship therein. Et ceux qui y adorent. But the court which is without the temple, mais le parvis extérieur du temple, leave out. Laisse-le en dehors. Measure it not. Ne le mesure pas. For it is given to the Gentiles. Car il a été donné aux nations, et la sainte cité sera foulée aux pieds, foulée pendant 42 mois. C'est 3 ans et demi. Et je donnerai la puissance à mes deux témoins, et ils prophétiseront pendant 1260 jours, revêtus de sacs. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Je me demande quel prophète de l'Ancien Testament avait la puissance de fermer les cieux afin qu'il ne pleuve pas au jour de leur prophétie et la puissance sur les eaux pour les transformer en sang. Je me demande quel prophète avait la puissance de transformer l'eau en sang et de frapper la terre avec des fléaux comme il le voulait. Ceci doit arriver pendant la 70e semaine de Daniel. Deux oints.
Ouais, avec quoi? Un message. What message? Quel message? Vous pouvez vous asseoir. J'ai presque terminé. Jérémie 31. Same scripture we were just reading here. La même écriture qu'on a lue ici. Turn the screen off, technicians. Vous pouvez éteindre l'écran. Behold, the days come. Voici les jours viennent. This is not New Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament. This is tabac. C'est le tabac. Saith the Lord. Dit l'Éternel. That I will make a new covenant. Où je ferai une nouvelle alliance. With the house of Israel. Avec la maison d'Israël. Et with the house of Judah. Avec la maison de Judas. Pause a moment. Pause. Two houses. Deux maisons. Now you Gentiles may not know this. Maintenant, vous, les nations, vous ne savez peut-être pas ça. But, under King David, le King David, all Israel was united. Sous le roi David, tout Israël était uni. And remained united, et est resté uni under King Solomon. Sous le roi Salomon. But under his son, mais sous son fils, was it Jeroboam? Jéroboam. Il a fait là au jeune homme et pas aux anciens. Et il a pris un mauvais conseil. Et Israël fut divisé. 10 tribus au nord sont devenues la maison d'Israël. Et 2 au sud, y compris Judas, c'était la maison de Judas. Et Jérusalem était en Judas. Au nord, il les empêchait de venir au temple en construisant des veaux d'or pour les adorer. Ils sont entrés dans l'idolâtrie et Dieu a envoyé les Assyriens et il les a dispersés dans le monde. Et ces 10 tribus sont perdues pour les hommes, mais pas pour Dieu. 2 tribus demeurent et la traîtreuse sœur Judas qui est allé dans l'idolâtrie. Et puis, voici Nebuchadnezzar. Mais il n'était pas tellement dur parce qu'il les a gardés ensemble, la Babylone. Et ce que nous appelons les Juifs viennent de la maison de Judas, uniquement ces 2 tribus. Mais ici, il dit il aura une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Judas. Et ce jour-là, il y aura 12 tribus de retour à Jérusalem pour cette alliance, qu'elle soit prêchée par les 2 oints. Quelle alliance ? Après ces jours-là, je mettrai ma loi dans leur partie intérieure. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et chacun n'enseignera plus son voisin. C'est la même alliance. Où il a dit, je vous donnerai un nouveau cœur, un nouvel esprit, et je mettrai mon esprit dans votre nouvel esprit. C'est la nouvelle alliance. Et lorsque ces 2 prophètes apportent cette alliance, ce sera la fin du péché, la fin des transgressions. Cela va accomplir ces choses-là. Et alors, il y aura un tremblement de terre. Et cela va pousser en dessous. Et alors, le sommet de la montagne sera élargi. Et alors, vous pourrez terminer le temple. Alors, vous pourrez construire la muraille extérieure. Et alors, voir la gloire venant par la porte de l'Orient, au lieu de son trône, au lieu de la plante de ses pieds. Et là, le Messie va régner pendant 1000 ans, ici, à Sion, à Jérusalem. Toutes les nations viendront ici, au temple d'Ézéchiel, et ce sera glorieux. La gloire de la maison, cette dernière maison, sera plus grande que la gloire du temple de Salomon et du deuxième temple. Ceci sera le temple du millénium, et de ce temple, le Messie va gouverner. Que quelqu'un dise Amen. J'ai terminé. Que Dieu soit loué. Frère David. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis venu faire ce que je devais faire. Mesurer le temple. Et là, les 2 témoins. La transmission est faite. Et ils auront leur ministère.
Amen, Frère Nanton. Ce matin, Dieu a parlé à Frère Nanton. Il y a 5 ans, il a dit, nous avons mesuré le temple pour la révélation de l'Apocalypse. Mais Dieu lui a dit, ce matin, c'est le jour où nous le mesurons pour Israël. C'est fait. Quelque part, quelqu'un va le recevoir. C'est terminé. Les nations, nous partons. Dieu vient pour Israël. C'est ma maison. J'ai choisi ce lieu. Alléluia. Le lieu de mon trône. Adorons Dieu. Heaven is
Donnez-lui la louange maintenant.